Ancien député Serge Jean-Louis déclarait toutes conditions réunies pour mobilisation Mopod contre gouvernement réussi. Il dénonçait menace pouvoir, il dit qu'il voulait établir dictature dans le pays. Serge Jean-Louis, toujours dans le micro d'Hydro Parent avec Mackinson Paul. C'est d'informer l'opinion publique nationale et internationale que Mopod voyait une lettre qui réclamait, à la lumière de la Constitution de 1987, la démission du président de la République. Et cette demande est basée sur un ensemble de dérives, vous souvenez, des violations systématiques de la Constitution, violations répétées de la Constitution de 1987, que ni sénateur d'LP, ni agronome Jean-André sont soulevés là. Donc, je voulais informer l'opinion publique, les peuples haïtiens, des démarches que mon pote prend, qui répondent à logique, retraite. Code des Arcadiens, qui c'est une décision qu'on a adoptée. Maintenant, sur la question de la mobilisation, n'a pas plombé dans le pays pour les journalistes, pour tout le monde. Le président n'a pas jamais d'accord pour démissionner. C'est justement forcé. Il a forcé de démissionner. Mon pote prend naissance dans la logique de mobilisation. Je ne vais pas retourner faire ma charrière sur ça qui s'est passé. Jodi a, mon pod, nan démarche pour relancer la mobilisation. Le jour où nous pas croyons dans le combat, nous pas entrer la donne. Nous croyons dans la mobilisation. Toutes conditions remplies pour mobilisation prend. Et mon pod investit force, énergie, stratégie. Dans tout pays, il y a une démarche avec différents groupes qui croient dans la logique de mobilisation, hein, qui c'est un plus gros moyen pour débarrasser le pays des menaces qui ont même généré ce soulevé là, des menaces contre la démocratie que les peuples haïtiens ont pour lui en pile. Là. Parce que ça qui vient sous nous, ce n'est pas nous-mêmes qui disons très clairement exprimé que on menace qui fait là. Pour détruire les acquis démocratiques, d'autant plus que tenant du pouvoir, les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils ont sorti dans la matrice, un régime qui n'est pas jamais d'accord avec la démocratie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas jamais organisé l'élection. Et regardez la démarche président, ouais, il n'est pas là. Il n'est pas trop intéressé à la question pour l'organiser l'élection. Et comme de fait, on tient Sénat, les Vinchoni, c'est déjà fini. Collectivité territoriale, on deuxième tiers c'est là. Donc c'est pour dire que mobilisation n'a pas entré la dernière, n'a pas gagné. Qui l'a commencé? Très prochainement. Très prochainement, on a annoncé à la presse qu'il est première activité qu'on va faire en 2014.